Good morgen, allez, Iden les juste aujourd'hui le Nishmat Fortuné, Bat Louisa, ainsi que les fois Tranalea Bat Gidel Devora, et Sarah Bat Miram Bator Shachol Israël, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah à contacter les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Pesachim, Perek Chet Mishnah Gimel, Ha Omer Levanav, Ha Reni Shochet et Apesach, Al Mishé Yale, Mikem Rishon Nirushalayim, Kevan Shichnis, Ha Rishon Rosho Virubo, Zacha Bechelko, Mezake et Echavimo. Leolam Nimnim, Alav ad sheyehebo kazait lekol echad veechad. Venimni moshrin et yedem mimenu ad sheyishchot. Rabbi Shimon omer ad sheyizrok alav et hadam. On a deux sujets dans notre Mishnah. Le premier, un cas un peu très simple. J'ai toujours du mal à comprendre ce qu'elle vient de nous apprendre à cette Mishnah. Je traduis d'abord à Omer Lemanav, celui qui dit à ses enfants. Areni shochet et apesach. Je vais faire la shrita du korban pesach. Almi sheyale mikem rishon l'Yerushalayim. Pour le premier d'entre vous qui va arriver à Yerushalayim. La Mishnah m'enseigne. Kevan sheyichnis arishon rosho verubo. Étant donné que dès qu'il va y avoir un premier qui va arriver, qui va faire entrer sa tête et la majorité de son corps à l'intérieur d'Yerushalayim, eh bien, zacha bechelko, il a mérité, il a acquis sa part, ou mezaket echav imo, et ensuite il fera acquérir par son biais, on va dire, à ses frères. C'est toi, en fait. Le Barton a expliqué un petit peu mieux la mise en scène. J'ai voulu faire bouger mes enfants pour qu'ils aillent plus vite à Yerushalayim. Moi, je suis parti en avance parce que il y avait une longue file d'attente à Yerushalayim, donc moi j'ai pris mon agneau, et je suis parti à Yerushalayim, et j'ai dit, bon, j'avance, mais dépêchez-vous de venir, le premier qui va arriver à Yerushalayim, c'est lui qui va prendre, il va mériter, il va acquérir, il va devenir le possesseur, entre guillemets, du Korban Pessah, et que par son intermédiaire, tous vont pouvoir manger le Korban Pessah. Mon but, en fait, il était de bouger mes enfants, pour qu'ils montent plus vite, qu'ils aient un petit peu plus de tacharout, de compétition entre eux, qu'ils se dépêchent d'arriver à Yerushalayim, comme ça, il y en a un que le soir de Pessah, ça va être lui le grand beau gosse du Korban Pessah, il va être là, il va diriger, on va le mettre, je sais pas, on va le mettre au Mizrach, ou il va s'asseoir sur la place d'honneur, d'accord, et en fait, par son biais, tous vont manger. En réalité, la Gemara, elle explique que, concrètement, bien évidemment, je les ai tous nommés, qu'ils allaient tous pouvoir manger le Korban Pessah, c'est-à-dire, le Korban Pessah, il faut être nommé dessus. Ça n'existe pas que... Donc, j'ai nommé tous les enfants, ils vont tous manger sur ce Korban Pessah. Seulement, j'ai voulu donner l'avantage à l'un que, par son intermédiaire, tous vont manger. Voilà ce que la Mishnah est venue nous apprendre. Vous allez me dire, c'était évident, quel est le problème? Ben, vous avez raison, moi aussi, j'ai pas de... C'est-à-dire, la Gemara, elle a cru déduire dans la Hatzet de cette Mishnah qu'on pouvait déduire le fameux cas de Yeshmera, où je vais faire le Korban Pessah pour le premier qui arrive au Shalem. Mais c'est faux, c'est écrit expressément qu'en fait, tous les enfants vont tous manger. Voilà. J'ai traduit la Mishnah, si vous avez mieux à dire, apprenez-moi. Ensuite, deuxième sujet de la Mishnah, Leolam Nimnin Alav, Adchi Yebo Kazet Lekol Echad Ve'Echad, un sujet que vous connaissez déjà, qu'on a déjà eu l'occasion de longuement parler même, que on pourra toujours se faire nommer dessus, nimnin alav, se faire manouille, se faire nommer dessus, c'est le même terme, nommer, nimnin alav, on pourra se faire nommer dessus, achi yebo kazaït, l'école echad ve echad, tant qu'il reste un kazaït pour chacun. Soit, on a décidé au début qu'on allait manger le Pessah, combien de Pessah, à 10 personnes, 12 personnes, et puis après il y en a encore un autre qui vient, qui veut s'incruster avec nous, eh bien, on va calculer. Est-ce qu'il y aura un kazaït pour chacun? Si oui, on pourra lui accorder, l'inviter à manger avec nous, et comme ça, ainsi de suite, jusqu'à qu'il reste au minimum, un kazaït à chacun de ceux qui sont appelés à manger. Sujet évident qu'on connaît déjà depuis longtemps. Maintenant, là, c'est le petit chidouche de la Mishnah. Nimni nou moshrin et yedem, mimenu et shishrot. On peut se faire nommer et se retirer de lui tant que l'on n'a pas fait la shrita. Soit, on a décidé qu'on allait manger avec 10 personnes, la famille, d'accord?
On allait manger tous ensemble. Finalement, mon fils décide de partir manger avec à la table de son copain. Alors on va lui dire quoi? Ben, la Mishnah elle-même me dit, ben, tu sais quoi? Tu peux te faire nommer et te retirer, si tu veux, ad chez Ishrot, tant qu'on n'a pas fait la shrita du Korban Pessah, tu peux te retirer et partir faire bande à part avec quelqu'un d'autre, si tu veux. D'accord? Sujet assez évident. Par contre, dès qu'on a fait la shrita, c'est trop tard. On a fixé que maintenant, les 10 qu'on s'était nommés sur le Korban Pessah, on devra tous, ça y est, on s'est fixé, on ne peut plus se retirer. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon nous enseigne, non. Jusqu'à qu'on va asperger le sang. Vous savez bien que quand on fait le Korban Pessah, on commence à faire la shrita, on abat l'animal, on récupère le sang, on l'amène au misbéach et puis on l'asperge. Comme ce qu'on avait appris, les kohanim qui faisaient passer de main à main, jusqu'à qu'on asperge. Le Korban, n'importe quel Korban, il a toujours arba avodot, ceux qui se rappellent qu'on étudie Maaseret Zvachim, shrita kabbalah ou la chazrika. On fait la shrita, on réceptionne, on va, on asperge sur le misbéach. Selon Rabbi Shimon, alors là attention, il faut bien préciser. Tanakama il m'a dit, écoute, si tu veux, tu peux te nommer, te retirer, puis décider de revenir et te retirer, tant qu'on a fait la shrita. Dès qu'on a fait la shrita, c'est fini, tu es grillé, c'est-à-dire tu es grillé, tu es bloqué maintenant que c'est ça ton Korban Pessah. Selon Rabbi Shimon, non, il me met une borne un peu plus loin, mais c'est pas exactement. C'est Rabbi Shimon, apparemment, il me dit, non, tant que tu n'as pas fait la zrika du sang, tu peux te nommer ou te retirer. Mais en réalité, le Bardonna explique que c'est pas comme ça. Il peut juste se retirer, mais pas se faire nommer. C'est-à-dire, imaginez qu'on était, donc, la famille, on était nous 10, on a déjà fait la shrita, et puis il y a une personne qui veut venir avec nous, sur ça, même Rabbi Shimon, il va nous dire, non, c'est trop tard, on a déjà fait la shrita, le Korban Pessah, il n'a pas été nishrat alecha. Là, on n'a pas fait la shrita pour toi. Par contre, parmi les 10 qui sont là, tant qu'on n'a pas fait la zrika selon Rabbi Shimon, il y en a un qui peut décider de se retirer. Parce que comme on n'a pas fini de faire la kapara complètement, de faire le korban complètement, qui impliquait donc les 4 avodot, shrita kabbalah olah hazrika, dans ce cas-là, tu n'as pas encore fini de te fixer sur ce korban, tu peux te retirer encore. D'accord? Et l'alakha n'est pas établie comme Rabbi Shimon, mais comme Chachamim, que dès qu'on fait la shrita, c'est fini, on a fermé le groupe. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, kol tov, salam.